Bonjour, aujourd'hui on va voir une autre astuce sur Excel. Donc ici une petite fonction coloriage des images automatiquement. On va donc recopier cette fonction dans un module, donc développer Visuel Basique. Et ici, donc dans Classeur 4, je vais insérer un module, c'est simple. Et je vais faire CTRL V. Donc ici, c'est ce module qui est écrit là. C'est égal coloriage, c'est cette fonction coloriage image. Ok, on va voir son utilité. Donc, on va directement insérer une forme. N'importe, par exemple celle-ci, et une autre forme, par exemple celle-ci, voilà. Donc si cette forme, on va recopier le nom, on va le mettre ici, et cette forme, on va recopier le nom. On va le mettre ici. On va donc ici deux formes, voilà leur nom, et on va faire coloriage la fonction avec la fonction égale coloriage image celle-ci de cette forme point virgule avec un code de couleur, par exemple 45 26 40 45. Je ferme. Voilà donc cette forme. Elle est coloriée avec ce code de code. Je vais donc redescendre ici. Voilà. Cette forme, donc, elle a repris le même. Je peux modifier. Voilà donc, c'est un peu modifié. Je vais même enlever. Voilà donc. On peut donc colorier n'importe quelle forme avec cette fonction. Ok, on peut même, par exemple ici 45, etc. Je vais insérer un graphique, par exemple ce graphique s'appelle graphique 1. Je vais le recopier ici et je vais donc recopier un autre. Modifier le type du graphique, par exemple secteur, ça c'est graphique 2. Je vais recopier ici et je fais ici égal coloriage image de ce graphique, par exemple 255 ici, voilà. Attendez, c'est pas 255, c'est un color un petit peu. Je vais ajouter. Et je peux descendre ici, par exemple je vais changer de couleur, voilà. Je peux changer donc le couleur selon mon choix, et je peux même faire des colorations selon mon choix ici. Par exemple, je vais mettre un code ici et je vais mettre ici donc couleur avec cette fonction. Ok, et donc ici je peux changer. Je vais choisir donc ici la coloration. Ok, selon, ou bien je peux mettre par exemple selon une condition. Voilà, par exemple ici 1 et 2. Je peux mettre ici 2. Ça dépend donc de mon choix. Je peux avoir plusieurs critères. Je peux mettre ici donc par exemple ici. Parce que vous voyez, non, coloriage image, et je vais mettre ici si ceci égal à 1, c'est non, mettre ceci. On peut mettre condition, par exemple si, attendez, si cette cellule égale à 2, on va mettre ce code,
Sinon, on va mettre par exemple ce code. Et je ferme. Donc, si je mets ceci, si je veux supprimer ceci, voilà. Si je mets 2, voilà. Donc, ça dépend. J'ai plusieurs façons de faire. Je peux faire plusieurs conditions pour avoir la coloration des graphiques. J'ai donc des fichiers sur la carte de l'Afrique et sur la carte du Maroc. Je vais donc les mettre sous des liens de téléchargement gratuitement dans ce tuto. Et les liens, ils sont, je vais les mettre en dessous lors de la description de la vidéo. Ok. Voilà donc ici une carte du Maroc, de l'Afrique. Ici donc, on va colorer chaque pays selon des conditions ici. Ok, il y a coloriage image selon les critères ici. Par exemple, cette couleur, c'est celle-ci. Si je veux mettre cette couleur, voilà, on change suivant cette couleur. Ok. Et si selon, par exemple ici, c'est le taux de croissance. Si je veux par exemple ici par la superficie, donc voilà. Voilà donc la superficie. Le pays coloré en rouge, c'est le pays qui a la plus grande superficie. Pour les verts ici, les verts foncés un petit peu, c'est qui dépassent la moyenne de la superficie moyenne. Et ici, c'est selon le choix ici. Par exemple ici, Bénin, l'Afrique du Sud, voilà, ce couleur donc selon la Libye, par exemple, Mali, Maroc, etc. selon mon choix. Et ici donc il y a des critères ici, par exemple le taux de croissance, voilà donc, etc. Ça, sur une carte, je vais mettre donc le lien de téléchargement. Ici sur une carte de l'Afrique, selon donc les langues, voilà, l'arabe par exemple, les pays qui parlent arabe, ici les pays qui parlent français, et il y a d'autres pays qui parlent anglais, et il y a d'autres pays qui parlent les deux à la fois ou bien plusieurs langues. Selon donc mon choix, c'est toujours le même critère. Ok. Ici c'est la carte du Maroc, donc c'est toujours le même choix. Donc je vais mettre ici par exemple coloration ici, si au hasard, si je vais mettre par exemple ici alia égale alia entre 25 46 par exemple et je vais mettre ces codes et je vais mettre donc ces codes là. Coloration avec ces codes. Et je ferme ici. Et donc, voilà donc selon ces codes. Ok. Je vais par exemple ici l'oriental, ici avec 255 qui est le rouge. Voilà.
si je vais mettre par exemple ça c'est en borne, c'est pourquoi attendez, je vais mettre en valeur. Voilà, si je vais par exemple, je vais changer ici. Si je veux mettre par exemple cette valeur, voilà, ça dépend donc des codes. Je peux même mettre ici par exemple, si je veux par exemple ici, je peux mettre ici par exemple des aléas entre par exemple 10 et 100. Et je peux mettre donc ici une coloration égale si ceci égale max de cette max de ces valeurs. Je vais mettre F4, mettre 255, sinon mettre ce code et je ferme. Voilà, ok, je vais descendre. Quel est le max ici? Si je veux par exemple ici, ça c'est le max, c'est facile qu'il naisse. Si je veux par exemple que le max soit dans la lune, si je veux mettre par exemple ici, voilà, si en rouge, ok. Si je veux par exemple que le max soit tangé ici, je vais mettre par exemple ici 300. Voilà, donc selon mon choix, tout est sur la condition que je vais mettre, ok. Donc ces fichiers, vous allez les trouver en dessous. À la prochaine.